Aloha, bienvenue sur La douceur de Médusa, je suis Patricia, Chanel, écrivain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'êtres de la galaxie. Proche de votre fédération, en association, nous pourrions dire laisser s'exprimer les tonnerres et éclairs du changement. Quel est-il? Quel aspect a pour chacun d'entre vous l'évolution, cette grande notion? Elle a des aspects étendu et en même temps terriblement étriqué dans ce qui est exprimé, non pas dans une forme de vécu uniquement, mais dans l'expression verbale. Il devrait y avoir une cohésion d'expression, n'est-ce pas? Ou peut-être que personne ne va réellement au même endroit, pour peu qu'il y en ait un. Ou tout simplement, tout cela sont comme des vagues, amenant régulièrement des sédiments qui vont s'installer, proliférer et éclairer, ajouter de la matière, et que chacun, individuellement, a besoin de son temps pour laisser s'exprimer ce qui semble naître et qui ressemble plus à une renaissance. Il y a beaucoup de sérieux, une tentative d'être méticuleux, organisé, dans tout ce qui est posé . Ce n'est pas réellement qu'il n'y a pas d'ordre dans tout cela, mais là également chacun vient avec, en quelque sorte, le sien d'ordre, sa façon d'organiser.
Ça n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Comme si, tout en allant vers l'union, le un, vous commenciez par vous éparpiller, encore un peu plus. En quelque sorte, vous éloignez les uns des autres. Il y a en quelque sorte un besoin à cela. Un besoin d'être centré. Dans le vécu, vous êtes en permanence au centre. Même si dans la vision que vous avez de vous-même, la plupart du temps, vous êtes en dehors de ce périmètre, excentré, orienté vers l'extérieur. Il y a des énergies qui vous permettent de revenir à l'essentiel, en quelque sorte. De sentir où est votre centre par rapport à vous-même. Et ensuite, par rapport à ce qui est. Pourquoi revenir à soi lorsqu'il est question de se fondre dans le tout? Mais est-ce que soi n'est pas le tout? Après tout. Alors ces ondes, ces vagues, comme des perles de pluie, vous assistent. Vous permettent de laver à grande eau ces substances ajoutées, ces croyances. Ces crépis qui font de vos murs des solidités. Rien n'est hermétique à la lumière, puisque c'est la fondation, le fondement, la réalité de tout ce qui est. Si l'invitation est au merci, voyez où il est envoyé. Ce qui est reflété vient porter ce que vous tentez d'incarner. Et même dans ces tentatives,
Il y a des instants qui fléchissent. Ils sont bienvenus aussi. Ils aident à la maturation de certaines certitudes, attitudes. Et tout cela circule dans un flou. Dans un courant portant, autant qu'effrayant, parce que vous aimez avoir le pied posé sur du concret. Oubliant au passage que rien ne l'est et que tout est parfait. Même vos pieds hésitants. Bienvenue dans votre galaxie. Qui accueille votre Terre. Bienvenue sur votre Terre. Qui accueille vos pas. Bienvenue à vos pieds qui ne cessent de vous porter. Merci, à bientôt.